I thank you, Mr. President of the Senate, for kindly giving me the floor. Mr. Minister Delegate to the Presidency in charge of Defense, permit me to renew my most respectful compliment to you and thank you for the point that you will be able to date to make to the national representation on the state of the fight against the major sources of insecurity in our country, particularly, first of all, in the Northwest and Southwest regions with separatist desires, their avatars, and their external connection, without forgetting the situation of internal displaced people from these two regions. Second, in the far north region, with the Boko Haram phenomenon and the situation of internal displaced people and refugees. And lastly, in the eastern region, with the incursions of armed bands and rebels, and the situation of refugees coming from the Central African Republic. In a way, Mr. Minister Delegate to the Presidency responsible for defense, what is the latest news? I would not say from the front, but from the fronts. Thank you. Très respectueusement, Monsieur le Président du Sénat, je voudrais vous prier de recevoir le respect de vos forces de défense et de sécurité disséminées aux quatre coins du pays pour en assurer la défense de l'intégrité territoriale et celle des personnes et des biens. Je vous remercie profondément, Monsieur le Président du Sénat, d'avoir bien voulu me convier ici à cette session plénière cet après-midi pour venir donner des éléments de réponse aux questions de Monsieur le Sénateur Dr. Pierre Flambon-Gaillap, que je salue et que je remercie d'avoir posé ces questions. Tout comme j'adresse mes salutations et celles de mes collaborateurs civils et militaires à l'ensemble des membres de votre auguste chambre. Monsieur le sénateur Pierre Flambon-Gaillap a posé une série de questions qu'il a résumé lui-même à la fin, en disant qu'elle tournait toutes autour des nouvelles sur les opérations de défense en cours dans certaines régions du pays, et plus particulièrement les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que la situation sécuritaire prévalant à notre frontière est avec la République centrafricaine. Je vais tâcher d'y répondre point par point, les problèmes étant par ailleurs pour certains communs.
Je dirais ainsi qu'il règne actuellement un calme relatif sur l'ensemble du territoire national, malgré la persistance de quelques foyers de tension dans les régions que je viens de d'énumérer. Et ces foyers de tension font l'objet d'un suivi tout particulier par les forces de défense et de sécurité qui sont en opération depuis quelques années déjà. S'agissant de la région de l'extrême nord, où Boko Haram, bien que fortement affaibli, continue à se manifester et continue à conserver une certaine capacité de nuisance. Profitant des couloirs de mobilité dus à la saison sèche, les terroristes de Boko Haram se signalent à nouveau par des attaques avec de gros effectifs et un arsenal de combat de pointe, sans peine ici et là à des populations civiles et même parfois poussent la témérité en s'attaquant à nos positions militaires. Mais je voudrais ici rassurer la Chambre entière de l'engagement et du courage des forces dans cette opération dans la région de l'extrême nord. Ce courage, cette abnégation qui sont à leur maximum dans les départements du Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Logone-Chari afin de contrer les actions du groupe terroriste Boko Haram. Les attaques enregistrées ces derniers temps ont amené le haut commandement militaire à renforcer les dispositifs sécuritaires sur le terrain et à recourir au concours des comités de vigilance de plus en plus accrus dans cette région. Nous avons récemment, sur très haute instruction de notre chef, le chef de l'État, chef des forces armées, j'entends, pris part à une réunion des ministres de la Défense de la Commission du bassin du lac Tchad, à N'Djamena, le vendredi 15 mars dernier. Les travaux de cette rencontre des MINDEF ont validé l'opération baptisée Lexanity 2, engagée par la force multinationale mixte de la Commission du bassin du lac Tchad, force qui comprend, vous le savez, les armées du Cameroun, du Nigeria, du Tchad et du Niger. Je dois ici signaler que l'absence du Niger ou alors la suspension de sa participation à nos opérations gêne un tout petit peu le bon déroulement de cette opération. Le Niger, vous le savez, a connu un changement de pouvoir anticonstitutionnel. Et les militaires au pouvoir à Niamey semblent plus préoccupés par la consolidation de leur pouvoir, de sorte que on a senti comme une baisse du régime de l'armée nigérienne dans les opérations conjointes. Et cette situation est gênante,
dans la mesure où, manifestement, nous avons le sentiment que Boko Haram profite de cette baisse du régime de l'armée nigérienne pour se reconstituer sur le territoire du Niger. Et particulièrement au sud-est du Niger, frontalier de la République du Tchad. Et nous en ressentons le reflux dans la zone du lac Tchad, où Boko Haram se montre, comme je l'ai dit, à nouveau de plus en plus actif et pugnace. Je dois également relever ici que la délicatesse des relations entre le Niger et la France, avec le départ des armées françaises du territoire nigérien, la délicatesse de ces relations a eu un effet négatif sur les concours financiers de l'Union européenne, le financement de l'Union européenne au profit de notre force multinationale mixte, la France étant un éminent membre de l'Union européenne. L'Union européenne manifeste de moins en moins d'empressement à appuyer financièrement notre force, comme c'était le cas jusque-là. Les chefs d'État des pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad, dont le nôtre, Son Excellence Monsieur Paul Biya, ont entrepris une action diplomatique en direction du Niger pour qu'il reprenne sa place au sein de la FMM, en direction de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba pour que l'Union africaine se saisisse de ce dossier et intercède auprès de la Commission de l'Union européenne par voie diplomatique à Bruxelles pour que l'Union européenne reprenne ses financements. Nous en avons besoin. Mais pour le moment, les opérations se déroulent. L'Exanity 2 est d'ailleurs en cours d'exécution en ce moment avec les financements dégagés par le Cameroun, le Nigeria et le Tchad. Et les résultats sont probants, malgré l'absence du Niger. Plusieurs centaines de terroristes de Boko Haram ont été neutralisés dans les îles du lac Tchad. Leur laboratoire de fabrication des engins explosifs improvisés dans cette zone ont également été détruits. Il y a lieu d'espérer que Boko Haram finira par être vaincu, mais demain ne sera peut-être pas la veille quand on connaît les ramifications des groupes terroristes, notamment dans la zone du Sahara et du Sahel. Mais les combats, les opérations se poursuivent avec beaucoup de densité. Monsieur le sénateur voulait savoir la situation, quelle était la situation des réfugiés dans la région de l'extrême nord, comme dans les autres régions, notamment à l'est, j'y reviendrai. Je voudrais ici informer la Chambre entière de ce que, à ce jour, officiellement, nous dénombrons sur le territoire de la région de l'extrême nord, notamment dans le camp de Minawaou, 76 000 réfugiés nigériens qui sont là depuis des années. Ils ont été accueillis par les populations camerounaises, ils ont été accueillis par les autorités camerounaises et ils sont entretenus par nos populations et par les ONG et notamment le Haut Commissariat aux réfugiés. Mais on a constaté au fil du temps que beaucoup d'entre eux manifestaient peu d'empressement à rentrer au Nigeria. Or, en droit international, on ne peut pas forcer un réfugié à quitter le territoire si on l'a accueilli. La conséquence, c'est que la plupart des ONG et même le Haut Commissariat semblent se lasser de cette à ce jour, pratiquement suspendu leur aide à ces réfugiés qui sont sur notre sol.
Ils tiennent actuellement grâce à une subvention particulière octroyée par M. le Président de la République à hauteur de 100 millions de francs CFA. Et ces fonds ont été mis à la disposition des autorités administratives de l'extrême nord pour apporter assistance alimentaire et autres à ces réfugiés, parce que nous ne pouvons pas les expulser. Le retour doit être volontaire. Et s'ils ne veulent pas repartir, nous avons le devoir de continuer à veiller sur eux, à veiller sur leur santé, à veiller sur les études de leurs enfants. Et les statistiques officielles font d'ailleurs état d'une très forte, un taux de natalité très élevé dans ce camp de réfugiés. Donc, il y a des jeunes, des enfants qui sont nés là il y a 5, 6, 7 ans, 8 ans, et qui aujourd'hui sont, pour certains, au coup de moyen 1. Bon, donc les parents, je crois qu'ils se sentent tellement à l'aise là que nous pourrons encore porter ce fardeau pendant un temps. En sus des 100 millions que M. le Président de la République a mis à la disposition de nos autorités locales, les autorités administratives particulièrement dans cette région, le chef de l'État a mis à leur disposition deux tracteurs qui sont en train de labourer un espace de 50 hectares pour leur permettre d'y pratiquer de l'agriculture. Parce qu'en plus de ce qu'il leur est donné comme nourriture, il faut qu'eux-mêmes aussi commencent à cultiver ce qu'ils pourront consommer demain. Donc il y a 50 hectares qui sont en cours de labour par, à leur profit et 50 hectares au profit des populations camerounaises riveraines. Sont en tout 100 hectares. S'agissant de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ici nous avons observé, monsieur le sénateur, mesdames, messieurs les sénateurs, que malgré l'attrition, c'est-à-dire la neutralisation très forte de beaucoup de pseudo-généraux, séparatistes par nos forces au cours de ces derniers mois, des groupes armés continuent à se manifester par des attaques sur les populations civiles, notamment dans les localités où les forces ne sont pas présentes. Il y a des demandes de rançon. Et puis il y a de temps, parfois des assassinats qui sont signalés. Nous relevons ici que ces actes combattus par nos forces ne semblent pas servir la pseudo-cause séparatiste ou sécessionniste. On a affaire à des bandes, des gangs de gangsters qui s'en prennent aux populations pour des raisons qui n'ont rien de politique. Il n'y a aucun substrat idéologique, mais c'est du banditisme pur et simple. Mais tout cela, nous en attribuons la responsabilité aux sécessionnistes, parce que c'est eux qui ont fait le lit de ce banditisme auxquels nos forces font face de manière très énergique. Il nous arrive de perdre des hommes parfois, mais les généraux, la plupart des généraux qui se mettent la terreur dans le nord-ouest et le sud-ouest, les sénateurs de ces deux régions sont là et peuvent l'attester. Beaucoup d'entre eux ont été éliminés au cours des 6 derniers mois. L'opération de neutralisation de ces pseudo-généraux et leurs éléments se poursuit. Nous ne donnons pas ici les bilans parce que pour nous, tant que la menace sera là, nous n'estimerons pas avoir fini notre travail et nous ne pouvons pas pavoiser
parce que tel ou tel chef a été éliminé. Pour nous, c'est des péripéties, des opérations. Mais nous voulons ici remercier et féliciter la prise de conscience réelle des populations qui, de plus en plus, ont compris la dangerosité de l'aventure de ces hommes armés, des populations qui, aujourd'hui, collaborent de plus en plus avec les forces de défense et de sécurité dans ces régions. Globalement, on note une amélioration qui a permis, qui s'est manifestée ou traduite ces derniers mois par la célébration sans heure véritable de certaines grandes occasions du calendrier sociopolitique du pays, la fête nationale qui s'est célébrée sans grande heure, la fête de la jeunesse, la journée internationale de la femme, la course de l'espoir à Boya, la célébration du 39e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la fête du travail le 1er mai dernier et bien d'autres événements qui sont des indices, n'est-ce pas, d'un retour progressif à la normale dans la plupart des circonscriptions, dans la plupart des départements, malgré la persistance de poches rouges sur lesquelles les forces continuent à travailler. Nous avons également noté comme un boom immobilier ces derniers temps dans les villes de Bamenda et de Boya, où on voit, n'est-ce pas, pousser des terres, des constructions, de très belles factures, de belles acabis, ce qui revient à dire qu'il y a comme un retour de confiance, parce que les populations qui en ont, les élites qui en ont la possibilité, la capacité, investissent de plus en plus dans ces deux villes, les deux métropoles, Boya et Bamenda. Les travaux de lancement de l'aménagement de la Ring Road, particulièrement la section Kumbo-Kambe-Misadje, frontière nigériane, ce lancement est imminent dans les tout prochains jours sous l'égide de notre collègue en charge des travaux publics, avec un dispositif sécuritaire déjà conçu, validé par le ministère des Travaux publics ainsi que les bailleurs de fonds. Dans la péninsule de Bakassi, le moral des populations s'est beaucoup amélioré. Nous avons pu l'observer lors de notre séjour à l'occasion de la Saint-Sylvestre, la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024. Les groupes terroristes se réfugient de plus en plus dans les zones reculées, d'accès difficile, mais leur traque, je l'ai dit, se poursuit. C'est pourquoi, en dépit de la propagande, de la désinformation et même de l'apparition des vecteurs de communication, radio et télévision, n'est-ce pas, séparatistes, nos forces poursuivent leurs opérations avec le concours des populations. La communauté internationale suit de manière très particulière la situation et note les évolutions auxquelles nous parvenons par l'action de nos forces. Il est vrai que la mise en œuvre des actions diplomatiques et même politiques pour un retour plus rapide à la paix durable dans ces deux régions reste notre souhait, le souhait des forces de défense et de sécurité. Monsieur le sénateur Pierre Flambon-Gaillap a évoqué enfin la situation à la frontière avec la République centrafricaine. Il a évoqué les attaques des bandes armées centrafricaines sur notre territoire. Non, monsieur le sénateur, je dois dire, depuis que le maillage de la frontière par les forces de défense et de sécurité a été opéré il y a 3-4 ans, nous n'avons plus d'incursion des groupes armés centrafricains sur notre territoire. Non,
la frontière est très bien tenue. Elle est même étancement tenue. Étancement. Et tout rebelle qui pourrait, n'est-ce pas, d'aventure se retrouver perdu dans nos forêts, dans la région de l'Est, peut avoir à le regretter s'il s'en rendra compte. Si seulement il s'en rendra compte. Donc nous restons très vigilants parce que la situation en RCA demeure incertaine et volatile. Nos frères centrafricains continuent à lutter contre ces groupes rebelles, et notamment le groupe appelé les 3R, avec le concours de leurs amis russes. Les Russes officiels ou Wagner, cela ne nous... Ce n'est pas notre problème à nous, ça se passe là-bas chez eux, mais nous verrons sur notre territoire à nous. Et la situation en RCA nous crée un fardeau, une lourde charge. Nous avons dans la région de l'Est, actuellement sur notre territoire, un effectif de 200 131 réfugiés centrafricains. 200 131, ça fait beaucoup. Dans les départements de l'Omédiérem, de la KDI et de Boumbengoko. Là également, c'est le même phénomène de réticence à être rapatrié volontairement. Ça ne dépendait que de nous. Normalement, ses frères auraient déjà dû rejoindre la RCA. Mais la communauté internationale interdit les refoulements des réfugiés. Quand ils sont sur notre territoire, nous devons seulement veiller à ce qu'ils ne soient pas une source d'insécurité, une source de banditisme préjudiciable à la tranquillité de nos populations. Mais ils sont là, plus de 200 000. Nous espérons qu'après les premières vagues de retour, il y a un an, deux ans, qu'ils vont continuer à repartir chez eux, n'est-ce pas, de manière volontaire, pour que les populations de l'Est, qui les ont fraternellement accueillis, n'est-ce pas, puissent retrouver leur sérénité. Docteur Pierre Flambeau-Ngaya, de les avoir posés, tout comme je vous remercie pour beaucoup d'entre vous qui passez de temps en temps au ministère de la Défense pendant les intersessions pour échanger avec nous sur les problèmes de sécurité de notre pays. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole.